Joël Djenadzi, après un début de match compliqué, Lausanne était bien revenu dans la partie dans le deuxième tiers. À quel moment vous avez laissé échapper ce match? Je pense à la fin. On est revenu, on n'a pas bien commencé. Power play n'a pas aidé à l'équipe. Et puis, malheureusement, on encaisse un but, je pense, un peu trop facile pour les Biennois. Et puis, ouais, on est frustré là. Ça fait mal de perdre comme ça contre Vienne. Je pense que c'est une bonne équipe. Ils ont un bon gardien. Ils jouent bien défensivement. Ils jouent sur les contres. Mais finalement, je pense qu'on peut les battre. Et puis, c'est un peu notre faute. Ouais, je pense qu'on redonne le match. Et puis, c'est vraiment frustrant. Pas facile à accepter. Et puis, difficile à oublier. Mais on doit, parce que demain, ça continue. Donc, Ouais, et justement, demain, ça continue avec un long déplacement jusqu'à Ambry. Quels sont les points qu'il faudra absolument améliorer pour ce match en Léventine? Le début du match, je pense, on doit être prêt avec les émotions. On n'a pas joué avec les émotions au début du match. Et puis ça, on a besoin comme équipe, nous. Et puis, c'est clair, le powerplay n'a pas fonctionné. On a trouvé un chemin. On doit surtout trouver un chemin de gagner le match. C'est les points importants. Ce soir, on n'a malheureusement pas pu gagner. Mais demain, ça recommence à 0-0. Et puis, on sait qu'Ambry, c'est toujours un travail dur. Ils travaillent tellement dur, surtout à la Valacha. Donc, on sait ce qui nous attend. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus gagné là-bas. Donc, pour voir quelque chose de positif ce soir, peut-être on a un peu la rage pour demain. Et puis, on se réveille un peu dès le début pour gagner ce match.